play new exclusive Xbox One games when they launch with Xbox Game Pass. Salut à toutes et à tous, ici Skull Angel pour les chaînes YouTube Barjo Gaming et Skull Angel Gaming. Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo en fait de présentation de certains jeux du Xbox Game Pass. Et pour inaugurer tout ça, on va commencer par un de mes petits jeux que j'ai vraiment bien accroché. Il s'agit donc de Skyforce Anniversary. A tout de suite. Voilà, alors donc on va lancer ce beau petit jeu et on va commencer à vous en parler un petit peu. Alors premier point, donc déjà c'est un shoot 'em up comme je l'ai dit, qui va vous permettre d'avancer plus ou moins bien. Donc déjà on voit vraiment assez sympathique, hein. Moi j'aime bien l'interface. Donc avec des marées, vous avez une section carte que je vais montrer dans un instant, les statistiques, voilà les cartes. Alors les cartes qui peuvent servir pour un succès, en fait c'est le succès de toutes les cartes. Donc c'est des cartes à collectionner que vous pouvez trouver dans quasiment tous les niveaux, elles sont très aléatoires, mais il y a un certain niveau avec un certain niveau de difficulté qui vous permet d'en avoir un peu plus souvent que les autres fois. Voilà, j'ai quand même pas mal galéré pour avoir toutes ces cartes et surtout ce succès. Mais bon, on va passer sur le vif du sujet, on démarre. Alors, déjà, dans un premier temps, vous voyez, ce jeu est composé de 9 niveaux au total. Sans compter donc le niveau, on va dire un peu spécial, c'est le niveau challenge du week-end. Vous avez le garage, qui vous permet donc de faire les améliorations de votre avion de chasse, qui va du laser, laser latéral, bombe, missile, enfin tout. Bouclier, etc. Et donc chaque niveau, on va dessus, donc chaque niveau est composé de 4 niveaux de difficulté qui vont de normal jusqu'à donc difficile, déjanté et cauchemar. Voilà, je le montre. Et donc en fait, pour passer au niveau suivant, eh ben, vous devez remplir 4 objectifs à chaque fois, au minimum, au maximum même, je devrais dire. Enfin bref. Là, dans ce cas-là, détruire 70% des forces ennemies, détruire 100%, sauver tous les soldats et ne pas se faire toucher. Vous voyez qu'il y a aussi un petit carré VIP. Je vais vous montrer les succès, tiens. Bon, allez. Donc, il m'en manque un, évidemment. Donc, ils sont tous plus ou moins simples, ça peut être plus ou moins long, il suffit de lire juste l'intitulé du succès et finger in the nose, il n'y a pas de souci. À part pour celui des cartes qui est aussi long, mais en fait le plus long c'est celui des étoiles. Il faut récolter 500 000 étoiles et je dois être à 70%, 71% au moment de la vidéo. Voilà. Ben voilà. 72%. Qu'est-ce que je disais? Donc voilà. Là vous voyez sur le niveau, le premier niveau, vous avez un petit truc VIP. En fait c'est un succès aussi où vous devez sauver un VIP en plus des soldats à sauver. Donc voilà, donc il apparaît vraiment très aléatoirement. Donc au début de chaque partie, vous pouvez acheter avec les étoiles que vous avez en stock, bouclier, laser, excusez-moi, et méga bombe. Bon, pour le niveau normal, il n'y en a pas besoin. Donc voilà. La stratégie après au niveau du jeu, bon, est assez simple. Hein. Là, vous fiez pas à cette facilité que j'aurai à abattre certains ennemis, sachant que j'ai tout au maximum, que je suis tranquille pépère, mais j'ai pas encore fini le jeu à 100%, parce qu'il y a certains niveaux, comme vous avez pu le voir, le niveau 9, niveau 8, et un niveau qui est le niveau 5, en fait, qui est un niveau assez compliqué à faire, mais bon, ça, je vous laisserai la surprise. Ce jeu en lui-même, il est pas difficile, étant donné que tout ce que vous avez à faire, c'est suivre, en fin de compte,
apprendre le niveau par cœur. Voilà, c'est tout. Les avions vont toujours aller au même endroit. Ça va toujours tirer vers vous en premier point. Là où ça va tirer, c'est le point où vous serez. Donc automatiquement, la balle, elle ira à droite. À part les petits missiles attachés à chose de temps en temps, mais bon, franchement, ils sont pas impossibles à éviter. Vraiment, c'est un cheminement que fait naturellement tous les ennemis. À chaque fois, l'IA a été programmée comme ça. Il y a même pas, on peut même pas dire qu'il y a une IA. La programmation a été faite comme ça. Donc, vous avez vraiment un suivi très linéaire. Une fois que vous le connaissez par cœur, il n'y a plus besoin de s'inquiéter. Seulement, vous allez devoir faire plusieurs fois les niveaux, certains. Et pour cause, parce que faut gagner des étoiles, faut augmenter ses capacités pour pouvoir aller le plus loin possible. Vous pouvez refaire autant de fois qu'il le faut aussi pour choper les cartes. Énormément de choses. Mais bon, en parlant même voilà, du niveau, là, niveau normal, vous voyez, c'est un peu une balade. Donc ça, c'est les petits personnages à sauver. Petits personnages à sauver aussi qui permettent, comme vous voyez sur les en haut à droite... Ah ben, attendez. Voilà, le petit carré noir que vous voyez, c'est le VIP qu'il faut sauver. Donc celui-là, il est assez important quand même, quand vous voyez. C'est pour débloquer le succès. Après, il n'y en a pas des masses, hein. Il n'y en a que 5 à sauver, si je me souviens bien. Mais bon, donc comme vous voyez, vous avez 4 petites icônes en haut à droite, mais en fait, qui correspondent aux 4 étoiles que vous devez donc gagner pour avoir le niveau de difficulté au-dessus. À savoir ne pas être touché une seule fois, ne pas perdre un seul civil à sauver, tuer tous les ennemis et finir le niveau, tout simplement. Donc il y en a une, à chaque fois vous êtes sûr de l'avoir. Après à vous de vous démerder pour réussir à avoir tous les autres. Voilà, voilà, donc on va arriver au boss de ce niveau de difficulté. Qui a mon grand dame... En fin de compte, il est hyper simple à battre une fois qu'on a tout ce qu'il faut. Donc c'est un peu, voilà, deux coups de cuir à peau, j'ai détruit les deux premiers canons de missiles. Là, c'est fait encore. Et en fait, parce que je commence à arrêter d'attaquer, et là, c'est que mon missile automatique qui va attaquer, qui va le finir. Parce qu'en fait, il y a encore des soldats à sauver là-haut. Donc faut faire attention à ce niveau-là, faut pas aller trop vite. Sinon, vous allez les louper. Voilà. Un dernier petit missile, on le finit à l'ancienne. Et voilà un niveau de difficulté fait. Donc, en théorie, comme vous voyez, hein, j'ai pas d'icône barrée en haut à droite. Donc, c'est que j'ai que les 4 étoiles. À partir de là, donc, vous accédez au niveau de difficulté au-dessus. Alors, les deux petites étoiles que j'avais au niveau du scoring, c'est aussi un bonus. Parce qu'avec les cartes que vous allez trouver, vous avez différents types de bonus. Donc là, c'est un bonus que j'ai reçu directement qui me permet d'avancer dans le jeu. Voilà. Continuons. Donc en théorie, là, vous avez... Ouais, vous pouvez accéder au niveau... soit au niveau 2, soit directement... vous relancez le niveau 1 et hop, on passe en niveau de difficulté difficile. Donc vraiment les décors, enfin moi je trouve que c'est une patte graphique vraiment très jolie pour ce jeu. Je l'ai trouvé très intéressante et honnêtement, ça donne envie. Donc voilà. Donc comme je disais, la stratégie est vraiment vraiment la même. Il n'y a rien d'autre à faire. C'est bien comme dommage. C'est vrai qu'avoir une intelligence artificielle aurait été peut-être, excusez-moi, un peu plus intéressante, étant donné que on aurait pu avancer à avoir plus de challenge, mais bon, on peut pas trop demander, c'est un petit jeu hein, de base. Je sais plus, je crois qu'il fait 9€ ou 7,99€ sans le Xbox Game Pass. Donc vraiment, parlons-en du Xbox Game Pass. Hein, donc c'est vraiment une belle petite innovation. C'est le Netflix du jeu vidéo, hein, comme diraient certains journalistes. Et honnêtement, depuis 2-3 mois, j'ai pu le tester, j'ai profité de promotions qui donnaient un mois à 3€. Vraiment très sympathique. Il y a surtout maintenant...
des gros jeux. Ce qui m'a vraiment donné envie, c'est de savoir que les gros jeux Microsoft seront en exclusivité le jour de la sortie sur le Xbox Game Pass. Et ça c'est énorme, quoi, je veux dire. Enfin, j'exagère en disant en exclusivité. Ils sortiront en plus de la version boîte et de la version de démat qu'on peut acheter sur le Xbox Game Pass. Donc c'est assez intéressant au final. Et ouais, là il y a l'excellent Sea of Thieves, auquel on fera certainement une vidéo très prochainement avec tout le groupe. Mais voilà quoi, donc franchement n'hésitez pas là-dessus. Moi je vous conseille de prendre le 3 mois. En fin de compte, au prix de 2 mois, vous avez un mois offert. C'est toujours ça le prix. Le 6 mois au final, c'est comme si vous preniez deux fois le 3 mois. Donc pour tester, je vous conseille le 3 mois. Au moins vous êtes tranquille. Voilà. Pour revenir sur le jeu, bah, y a rien d'autre à dire. Si, chaque fois que vous augmentez le niveau de difficulté, les ennemis ne sont pas plus nombreux, mais ils deviennent de plus en plus résistants. Voilà, ça c'est la petite subtilité. Même les décors, hein. Le phare, bon là il va être détruit rapidement. Voilà. Mais un niveau de difficulté au-dessus qui sera après le niveau de difficulté cauchemar. Déjanté, autant pour moi. Donc le niveau déjanté sera déjà un petit peu plus dur au niveau de la résistance des ennemis. Et le niveau cauchemar, il est un cran au-dessus. De toute façon, vous allez le voir, hein, ça va pas tarder à arriver. Mais bon, donc pour finir sur le Xbox Game Pass, en attendant, pour ouvrir cette parenthèse, hein, le temps qu'on termine le niveau tranquille, franchement, sautez-y hein, dessus, n'hésitez pas, il vaut vraiment la peine. 9,99€ pour avoir plus de 100 jeux du catalogue Xbox. Ça vaut le coup. Si vous voulez jouer à Sea of Thieves, bah, allez-y, hein, il est dessus. Il y aura Stay of Dancy, je ne me rappelle plus le 2, enfin la suite, un jeu de zombies génial, que j'ai le premier, je me suis régalé. Il va y avoir Crackdown 3, franchement, voilà, j'ai juste envie de dire ça. Vous avez Sunset Overdrive pour ceux qui n'ont pas profité de la promotion où il était gratuit. Pas mal de petits jeux en fait qui sont passés grâce au Xbox Live Gold gratuit pour les possesseurs, donc que nous, moi j'ai à vie. On est parti pour le niveau déjanté. Donc si vous m'écoutez pas et que vous regardez un peu, vous allez voir que c'est un petit chouïa plus long pour les buter les ennemis. Mais bon, c'est une boutade encore. Donc il y a pas mal de jeux qui étaient sur le Gold en gratuit et qui sont passés, donc payants bien sûr quand on a raté la promotion. Et donc bah, avec le Xbox Game Pass, ils sont disponibles de nouveau. Voilà, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous avez le jeu de base. Pas le jeu avec tous les DLC. Voilà. Donc grosso modo, si vous finissez un jeu de base et qu'il vous a plu, soit vous essayez de l'acheter derrière en démat, soit vous essayez de le prendre grâce à une promotion qu'il y a souvent sur le Xbox Live, soit en passant par d'autres systèmes, hein, comme G2A, Instant Gaming, voilà, n'hésitez pas, Instant Gaming, hein, ici présent. D'autres sites, des sites de comparateurs de prix de store aussi, comme Xbox Checker, Xbox Store Checker, je devrais dire. Donc voilà, donc... C'est des sites que j'ai déjà utilisés, donc n'hésitez pas là-dessus, il n'y a aucun souci, ça fonctionne très bien. Oui, oui. Voilà, donc pour terminer sur le Xbox Game Pass, bah écoutez, moi je vous dis qu'une chose, testez-le, hein, si vous ne voulez pas tenter 3 mois pour 20,41€, un truc comme ça, prenez le premier mois à 9,99€, hein, ça vous permettra de voir un peu et de vous faire une idée. Bah sinon, à part ça, c'est de la balle, voilà. Là, on attend beaucoup d'autres nouveautés qui devraient arriver, on espère. Et là, en ce moment, avec Monsieur The Screw MX, on est reparti sur Overwatch, donc je vais peut-être faire 2-3 vidéos Overwatch. Il m'a fait prendre le Rainbow Six Siege, donc qui est vraiment sympa au final. Moi qui ai mis des doutes dessus, j'ai bien aimé. Et ben voilà. Voilà, voilà. Mais en fait c'est long de faire tous ces niveaux. Là je m'éclate, même si c'est un enregistrement, vous voyez, j'aurais pu couper, dire putain je vais couper le truc, je vais dire je vais vous laisser apprécier, je vous expliquer un peu la mécanique, mais en fait je préfère comme ça, je vous parle de tout et de rien en même temps. C'est ça, Barjou. Donc comme vous avez pu le constater, hein, micro, petit décor que je remercie grandement pour la plupart pour The Screw MX, hein, qui m'a fait
deux trois petites choses voilà, bien sympathiques. Après j'ai agrémenté de ci de là un petit fond marron, mais je sais pas encore ce qu'il faut pour si je vous mets l'incrustation, en fait on voit plus mes cheveux ni ma barbe, donc ça m'intéresse pas. Donc je sais pas encore, je vais attendre un peu avant d'avoir mon petit drap vert derrière que j'accrocherai ici. Voilà, oh, enfin, niveau de difficulté déjanté terminé. Waouh, avec la totalité en plus. Donc voilà, un des succès donc auquel je parlais est aussi le succès donc sur ce jeu des 500 000 étoiles. C'est super long à avoir, vraiment véridique, super long. Donc franchement, faut y jouer. Je suis comme je vous l'ai dit à 72%. Faut que je le finisse quand même. C'est une des raisons qui m'a fait continuer le Xbox Game Pass aussi, c'est que j'aime pas terminer. Quand il reste un succès, faut que je le termine. Donc voilà. Donc là, vous voyez quand même que ils sont un petit chouïa plus long quand même à abattre. Mais on va plus le voir sur les hélicoptères. Voilà. Le tanker, le petit tanker là-bas, d'habitude de tir, il est mort. Là, il met un petit peu de temps quand même. Bon, allez, je vais vous faire tenir jusqu'au boss. Après, je vous libère. Donc ouais, non, le jeu en lui-même est vraiment très sympathique. Moi, je vous le conseille. Hein, si vous prenez le Game Pass, n'hésitez pas à l'essayer. Si le jeu après vous a plu, n'hésitez pas à le prendre. Hein. Vous voyez le bâtiment, combien de temps il a mis pour le détruire. Voilà, ça, c'est le mode de cauchemar. Et les niveaux au-dessus, niveau 8... niveau à partir du niveau 5, ça commence à être un peu chaud. Mais vous comprendrez, je vous laisse vraiment la surprise du niveau 5. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous en montre pas plus que le niveau 1. Vraiment, pour vous laisser le plaisir de voir le jeu par vous-même. Parce que franchement, ce jeu, c'est... Moi, je m'éclate. Hein. Un bon petit jeu comme ça, des graphismes vraiment très beaux, je me répète peut-être, mais franchement, j'ai vraiment adoré ce jeu. Quoi. Donc, c'est pour ça que je voulais en parler en premier. Je pense que après, au niveau des jeux, je ferai une petite présentation du petit jeu de Microsoft, exclusif aussi, Lucky Tales, le... Ersatz Mario 64, on va dire. Plus Banjo-Kazooie pour certains qui annonçaient aussi comme ça. Mais enfin bref, il est pas mal. Donc ça, c'était une méga bombe qui vient de péter. Ouais, j'avais envie. Voilà. Il va y avoir ça, donc du Sea of Thieves. Du Star Wars, il faut que je fasse du Star Wars Battlefront 2 aussi. En gros, j'ai énormément de jeux que j'ai pas encore terminé, énormément de jeux que j'ai acheté récemment. J'espère avoir le Far Cry 5, un de ces quatre, ça me ferait plaisir, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait un vrai Far Cry. Donc voilà, je continuerai sur Far Cry Primal hein, en attendant. Mais bon, donc voilà. J'en profite en même temps pour vous dire qu'au niveau présentation, donc ce sera la présentation que je vais utiliser dorénavant pour mes vidéos YouTube, donc en agrémentant 2-3 petites choses, et que cette même style, donc comme vous voyez, grâce à Monsieur ZeSquareMix qui m'a bien travaillé l'image, vous avez une Xbox One X édition Scorpio sur la table et une Nintendo Switch. Parce que je vais ne pas faire que des vidéos pour la Xbox, je vais aussi vous présenter des vidéos sur la Switch. Voilà. Donc, eh ben voilà, le niveau cauchemar est terminé. J'ai pas eu toutes les étoiles, mais c'est pas grave, le plus important c'est d'avoir les 4. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, n'hésitez pas à mettre des commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs, hein. Si vous voulez mettre un pouce rouge, que la vidéo vous a pas plu, exprimez-vous, dites-moi pourquoi vous avez pas voulu, vous avez pas aimé ma vidéo, je prends tout en compte, ça permet de s'améliorer, en fait je préfère même les éléments négatifs que les éléments positifs. Parce qu'on ne peut pas s'améliorer en disant « Ouais, ta vidéo, elle est géniale. Ouais, super. Ouais. » Non. Non, non. Faut dire, faut être constructif. Un commentaire, ça sert à ça. Dire. Si t'as rien à dire et que tu trouves la vidéo bien, tu fais « GG pour ta vidéo. » Moi, ça me suffit amplement. Pas besoin de faire un pataquès. Par contre, tu peux dire « GG pour ta vidéo. » Par contre, il y a ça qui aurait été mieux de faire, ça qui aurait été mieux de faire. Moi, je vais prendre tous vos commentaires pour Bible. Voilà. Rubis sur ongle. Donc comme ça au moins je pourrais améliorer mes vidéos. Là je fais avec les moyens du bord pour l'instant. J'en suis désolé. Mais j'espère avoir pouvoir refaire des lives de bonne qualité par exemple. Parce que j'ai récupéré le Elgato, hein, ça a été enregistré avec le Elgato HD, dont
la petite bannière Elgato Gaming est là. Si, comme je vous ai dit tout à l'heure aussi, vous désirez acheter 2-3 jeux moins chers, PC ou Xbox One, je crois qu'ils font aussi pour la Sony, de la console de Sony, là, tu vois, j'aime pas tellement cette console, donc je ne vais pas la nommer. Donc n'hésitez pas à aller voir Instant Gaming, si vous inscrivez, vous mettez Skull Angel en parrainage, ça me fera gagner des points et à vous aussi. J'en profite pour parler de l'excellent site Xbox Squad en même temps, que j'ai découvert il y a 2-3 mois à peu près, ou un mois, je me souviens plus. Vraiment au niveau de l'actualité, est vraiment sympa. Donc n'hésitez pas à y passer, à vous inscrire aussi, si vous voulez suivre l'actualité Xbox, c'est vraiment énorme. Et donc... merci au collectif Barjo Gaming d'être toujours présent, à Maître Scro MX, et je vous dis donc à la prochaine. Ciao !